Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre moment de prière. Nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ, notre Rédempteur. Il est notre abri sûr, le Consolateur, le Paraclet, notre bouclier. Nous l'appelons le Dieu de notre espérance. Il a raconté notre histoire, il a fermé cette histoire. Et c'est lui qui la protège, c'est lui qui donne un sens à cette histoire. Si nous sommes là ce soir, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu toute chose, parce qu'il est le ressuscité, et le Seigneur est parmi nous. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais, psaume 125. L'Éternel entoure son peuple, il est là autour de nous, il est là, l'abri sûr, il est là, le paraclet, il est là, le Fils du Dieu vivant, il est là, notre consolateur, il est là, le Dieu de notre histoire, il est là ce soir, que l'Église chante ce chant. Adorons le Seigneur, nous louons Dieu, nous disons qu'il y a une joie dans le ciel, car le Seigneur est élevé, il est assis sur son trône et il règne à jamais, celui que nous célébrons, il est roi. Bien-aimé, il mérite notre adoration, il mérite notre louange. Et ce soir, nous le célébrons comme roi. Seigneur, bien-aimé, tu peux lever tes mains là où tu es. Tu adores le Seigneur, le Dieu qui te relève. Gloire à son nom. Il y a sa présence ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, il est bon ce Dieu-là, il est bon. Seigneur, merci, merci parce que tu nous as sauvés.
Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Le Dieu qui nous a façonnés, tu as donné un sens à notre vie. Viens, Seigneur, que ton règne vienne. C'est toi qui nous fais miséricorde, Seigneur. Que ton règne vienne, que tu nous laves par ton sang. Bénis ces instants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Église dise Amen. 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 Bien-aimés, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle, il est Dieu. Le Dieu qui nous donne de vivre sa gloire. Nous racontons les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimés, ce soir, nous avons un thème. Sois connecté au Saint-Esprit ce soir, parce que je crois que Dieu va te parler. Quelque chose va se passer ce soir et tu ne seras plus le même. Le Seigneur va envahir ton être intérieur. Il va façonner ta vie, il va visiter l'intérieur de ta vie. Et bien aimé, il va relever, il va faire tomber tous les endroits, bien aimé, où les portes ont été fermées dans ta vie, toutes les prisons, bien aimé, qui se sont forgées dans ta vie, et le Seigneur est la clé, le bouclier, bien aimé, qui va ouvrir la porte, une porte nouvelle dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il touche ta vie ce soir, et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je veux prêcher à quelqu'un ce soir l'évangile. L'évangile qui est la vie, l'évangile qui libère, l'évangile qui est la parole de Dieu. Alors bien-aimés, laisse que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes, en famille et partout ailleurs, bien-aimés, que le Seigneur soit avec vous. Alors nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9, le verset 20 au verset 21. Le verset 20 au verset 21. La Bible dit, bien plus tôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ou bien le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse tel vase pour un usage honorable et tel autre pour un usage vil. Amen, parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Alors bien-aimés, voici le thème, laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te façonner. Bien-aimés, vous savez, nous vivons une vie de relation avec Dieu. Le Seigneur est celui qui est notre rédempteur, il est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes la créature et lui est le créateur. Alors, bien-aimés, nous avons besoin que Dieu nous forge. Il y a des fois, nous donnons à Dieu le modèle. Comment il doit nous former? Bien-aimés, le Seigneur est l'inspirateur. Il est l'artisan. Il est le potier. Et nous sommes l'argile. C'est à Dieu de nous façonner et nous donner la forme. Il y a des fois, nous avons discuté avec Dieu. Seigneur, je ne veux pas être celui que je suis. Je ne veux pas être celle que je suis. Je ne suis pas content de ce que je suis. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais d'erreur avec nous. Il est Dieu. Il connaît le destin de tout un chacun. Et il connaît le plan qu'il a forgé pour tout un chacun. Tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3, le verset 2 à 3. Bien-aimés, la vie chrétienne, la vie avec le Seigneur est un cheminement, c'est un schéma. Quand tu n'as pas encore vu l'autre fois, quand tu n'as pas encore vu le lendemain, reste calme. Dieu sait comment il fait avec chacun. Laisse Dieu te façonner. Quand nous laissons Dieu nous façonner, il nous brise, il nous dévisse, il nous visse encore, il nous fait entrer. Il y a des fois, Dieu nous fait entrer au garage. Il nous façonne, il change les pièces de notre vie parce qu'il nous donne le modèle. Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Bien-aimé, Dieu a commencé en toi une bonne œuvre. Philippiens chapitre 1, le verset 6. Ce qu'il a commencé de faire avec toi, il va l'achever. Mais toi, tu dois être un discipliné spirituel. Tu dois être quelqu'un qui vit dans le viseur de Dieu. Comprends l'agir de Dieu dans ta vie. Si tu ne comprends pas l'agir de Dieu, tu donneras gloire à Satan. Bien-aimé, ce texte que nous avons lu, Paul montre ici que Dieu est souverain dans l'exercice de sa miséricorde. Il est souverain. Au verset 14, il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Non, certes. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui me plaira de faire miséricorde et j'aurai pitié de qui il me plaira d'avoir pitié. Bien-aimé, laisse Dieu faire sa volonté dans ta vie. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Bien-aimé, il est Dieu. Le choix de Dieu, la souveraineté de Dieu s'applique sur chacun selon sa volonté, selon sa grâce. Tout est grâce, tout est plan de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas vivre comme étant une option. Toi, tu n'es pas une option. Tu es dans le plan de Dieu. Toi, tu ne discutes pas la grâce parce que Dieu connaît ce qu'il fait avec toi. Si tu laisses Dieu te façonner, il te fera une créature nouvelle, une créature merveilleuse. Alors, bien-aimé, Paul dit encore au verset 16, « Ainsi donc, cela ne vient pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Bien-aimé, tes multiples paroles ne vont pas changer, ne vont pas modifier la grâce de Dieu dans ta vie. Tout ce que le monde a dit sur toi ne va jamais modifier la grâce ni le plan de Dieu dans ta vie. Dieu fait miséricorde à qui il veut, parce qu'il est Dieu. Azana Bonzambe, il est Dieu, bien-aimé. Personne ne peut corrompre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, j'aime cette parole, je prêche à quelqu'un ce soir. J'aime cette parole. La Bible dit, ainsi donc, cela ne vient pas de celui qui veut, ni de celui qui court, bien-aimé. Dieu ne fera pas avec toi selon ce que tu veux, selon la détermination de ta course, mais selon la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est plus grande que ce que toi tu veux de toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La miséricorde de Dieu, bien-aimé, elle est plus favorable que la saison qui pleut dans ta vie, bien-aimé. La saison de Dieu, quand elle germe, bien-aimé, même la graine qui a été ignorée des années, elle va germer dans ta vie. Le Seigneur est le Dieu de surprise. Oh, voilà, moi je l'appelle Nzambaba Genou, Nzambaba Histoire, mais il y a un nom qui s'ajoute ce soir, Nzambaba Surprise Nanga, reçois, que quelqu'un reçoive cela. Il est le Dieu de mes surprises. Laisse Dieu te façonner, laisse Dieu écrire l'histoire. Quand toi tu écriras l'histoire, l'encre va finir parfois. Il y aura des fois l'encre va finir, mais avec le Seigneur, l'encre spirituelle ne va jamais finir. Il va écrire la lettre avec sa main, bien-aimé. Et ce que Dieu écrit de sa main, personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer. La Bible dit, car l'Écriture dit à Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai ressuscité, pour que je fasse voir en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Bien-aimé, l'histoire, pour être écrite, il faudrait qu'il y ait des pharaons dans cette histoire, afin que la puissance de Dieu soit publiée sur toute la terre. Pharaon aura un rôle à jouer. L'opposition qui est devant toi joue un rôle. C'est là que tu témoigneras la gloire de Dieu. Laisse Pharaon jouer sa partition, parce que lui aussi, il contribue à la gloire de Dieu. Tu l'as jamais su dans ta vie, bien-aimé. La miséricorde de Dieu va être là à côté, face à face avec Pharaon. Pharaon verra souvent la silhouette, mais dans cette silhouette, c'est ton Dieu, Jéhovah Jireh, Mashiach, Emmanuel, Sabaoth qui est là. Bien-aimé, laisse le monde croire que Dieu est devenu simplement silhouette. Il n'est jamais silhouette, ce Dieu-là. Le Dieu que nous prêchons, il est vrai, il est vivant. Pendant que le monde voit la silhouette, toi tu vois la grandeur de Dieu sur toi. Bien-aimé, la Bible dit, tu me diras donc, pourquoi donc se plaint-il encore? Car qui résiste à sa volonté? Bien plutôt, ô homme, qui es-tu? Toi qui contestes avec Dieu, le vase d'argile
dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Bien-aimé, reste vase, reste à ta place de vase. Ne dis pas à celui qui t'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Bien-aimé, laisse Dieu te modeler, laisse Dieu te donner la forme, laisse Dieu te briser. Bien-aimé, la Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens chapitre 3, le verset 9 à 10. Commence à entrer dans la dimension de l'image de celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé est fidèle. Marche dans la fidélité. Celui qui t'a créé, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est saint, qui est Dieu. Marche dans la sainteté avec Dieu. Celui qui t'a créé, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est grand. Marche dans la grandeur. Bien-aimé, ne laisse aucune circonstance ne corrompre l'image de ton créateur dans ta vie. Je sais qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie ces dernières années. Je sais que tu as raison de pleurer, de te plaindre. Il y a quelque chose dont tu veux partager. Mais bien-aimé, prends la gomme spirituelle. Commence à gommer ces choses parce qu'elles ne te font pas avancer. Récupère l'image de celui qui t'a créé. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Prends l'image de celui qui t'a créé. Si tu vis comme celui qui t'a créé, bien-aimé, tu vivras dans l'objectif. Tu vas vivre dans la vision et tu vas suivre ton objectif. Commence à suivre ton objectif. Quand tu lâches l'objectif, Satan est content parce qu'il sait qu'il n'y a pas de bénédiction en dehors de la volonté de Dieu. Or, si toi tu demeures dans la volonté de Dieu, tu auras la bénédiction. Laisse Dieu te façonner. Si tu veux, si tu peux, même ce soir, à l'instant même, va briser, bien-aimé, va casser pour reconstruire encore. Va casser la muraille que tu t'es bâti dans ta vie. Il y a des gens, je prêche à quelqu'un ce soir, il y a des gens qui ont sorti des paroles dans leur vie. Il y a des gens qui ont confessé des paroles, qui ont donné, qui ont cru des choses dans leur vie. Ce soir, va briser ces paroles. Ce n'est pas ce que Dieu a dit de toi. Ce soir, bien-aimé, va refaire une alliance nouvelle avec le Seigneur. La Bible dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 à 2. Commence à vivre selon la volonté de Dieu. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te montrer la direction. Laisse Dieu parler en toi. Laisse Dieu te ranimer le zèle. Bien-aimé, je sais que tu t'es baigné dans cette rivière qui t'a souvent, où tu as cru que là, je veux laisser mes fardeaux. Bien-aimé, je t'annonce que Jésus est l'eau de vie. C'est lui qui lave, c'est lui qui restaure. Quand Dieu te façonne, il va corriger ta vision. Tu vas commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Quand Dieu te façonne, tu n'as plus peur du temps parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Quand Dieu te façonne, tu deviens habitué de sa présence. Or, celui qui reste longtemps dans la présence de Dieu va tenir ferme devant les oppositions. La présence de Dieu te rendra forte. La présence de Dieu te rendra courageux. C'est ainsi que quelqu'un m'a dit une fois, mais j'ai dit, nous sommes tous de la même génération. Comment j'ai entendu ton nom? J'ai vu ton nom quelque part. Pasteur Gerdy Somba, je dis, nous sommes tous de la même génération, certes, mais nous n'avons pas la même destinée dans le Seigneur. Nous pouvons être de la même génération, mais Dieu ne nous sélectionne pas de la même façon. Dans la génération, Dieu fait avec chacun selon comment il a prévu. Bien-aimé, ne commence à voir, ne vois plus les choses comme tu les voyais dans ta génération. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie.
Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie et laisse Dieu affirmer ce qu'il a mis en toi. Laisse, bien-aimé, jette ta tunique comme Bartimée. Cours vite, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Laisse Dieu te façonner. Si tu as un boss, si tu as un fardeau que tu portes en toi, dis Seigneur, je suis fatigué, aide-moi à décharger ce fardeau parce que je veux vivre comme Jésus, je veux te ressembler, je veux être ton partenaire Seigneur, je veux entrer dans le couloir de Dieu, sois le pilote et que moi je m'asseye Seigneur, je veux aller de gloire en gloire avec toi, dans les profondeurs avec toi. Dans les profondeurs avec toi, de gloire en gloire avec toi, Seigneur. Bien-aimé, si tu le crois ce soir, commence à faire tes valises et déménage. Déménage de toutes les pensées qui t'avaient retenu captif. Dans le nom de Jésus. Ah, tu as oublié quelque chose. Tu as oublié quelque chose. Va prendre encore, bien-aimé, ta nouvelle tunique que le ciel te donne aujourd'hui. Et déménage, bien-aimé. Déménage dans tes pensées. Déménage dans ton cœur. Et si le monde te demande pourquoi tu le fais, tu vas déclarer, moi là, j'espère le Seigneur de toute mon âme, de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Psaume 129, le verset 5. Bien-aimé, tu vas présenter ton visa partout parce que le Dieu qui t'a sauvé est avec toi. Laisse Dieu te façonner ce soir. Et laisse le Seigneur remplir de ta maison de sa miséricorde. Waouh, je sens la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est déjà à la porte du cœur. Bien-aimé, quelque chose se passe et le Seigneur est vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen et amen. Amen, gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous allons entrer dans notre moment de prière. Nous allons chanter le nom de Jésus. Comment Yesu. Et ça, mon aîné. Bien-aimé, nous allons confesser que le nom de Jésus est grand. Que le nom de Jésus guérit. Que le nom de Jésus donne l'espérance. Nous allons confesser que le nom de Jésus transforme. Que le nom de Jésus renouvelle. Que le nom de Jésus change les vies. Entre dans ce moment de prière. Paul a dit dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Amen. Galates chapitre 2, le verset 20. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous disons que le nom de Jésus a de la puissance. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est grand. Que le nom de Jésus est élevé au-dessus. Que le nom de Jésus donne la joie. Le nom de Jésus donne la guérison, la rédemption. Le nom de Jésus donne la paix. Façonne-moi. J'ai entendu parler de ton nom. J'ai entendu parler de ta parole, Seigneur. Ta parole libératrice. Seigneur, maintenant je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre afin que tu fasses une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Je me livre afin que tu transformes, que tu renouvelles mes espérances. Bien-aimé, crie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, façonne-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, façonne-moi, Seigneur.
viens créer une nouvelle atmosphère en moi. Je suis l'argile et toi tu es le vase, Seigneur. J'ai été crucifié avec toi, Seigneur. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, Seigneur. Viens, Seigneur, viens, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, merci. Bien-aimé, ce soir, l'étendard de Jésus est élevé. Le ciel est ouvert ce soir. Les anges de Dieu acclament dans le ciel. Une âme est sauvée ce soir. Le Seigneur écoute les cris d'un malheureux ce soir. Il y a un pécheur qui se repent ce soir. Ce soir, bien-aimé, les insectes qui avaient enfermé ta maison et ta vie sont en train de plier bagages dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, il y a quelqu'un qui est agenouillé dans la présence de Dieu. Tes larmes qui coulent ce soir sont en train de réclamer une grâce, une bénédiction. Dieu fait miséricorde à quelqu'un ce soir. Ce soir, bien-aimé, les rêves qui te troublaient, les pensées qui te troublaient sont en train de se taire ce soir. Le Seigneur le fait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort a perdu sa place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant la délivrance et la libération. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.